Salut à tous, c'est Gil, j'espère que vous allez bien. Bon, la cité est finie, on peut reprendre le rythme habituel. Et ne vous inquiétez pas, la vidéo de cette deuxième cité de 2021 arrive d'ici quelques jours, vous ne serez pas déçus. En attendant, pour reprendre tranquillou, quoi de mieux qu'un Demon Slayer UHC, votre mode de jeu Minecraft stratégique favori. Un mode de jeu qui plaît énormément sur cette chaîne, ça se démontre à chaque fois et j'adore vous proposer ce type de partie. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous voulez de la nouveauté en UHC, ce soir en live on découvrira un nouveau mode de jeu basé sur de la réflexion. Alors bon voilà, je vous lâche ça comme ça, n'hésitez pas à passer voir ça en live sur ma page Twitch ce soir à 21h au moment où cette vidéo sort, puisque ça sortira sur ma page YouTube un petit peu plus longtemps après. Bref, revenons à Demon Slayer. Explication très simple car vous commencez à avoir l'habitude du jeu. Il s'agit d'un UHC, un Battle Royale, où vient s'ajouter un jeu stratégique inspiré du manga Demon Slayer. Deux camps seront présents dans la partie, les rôles Slayer et les rôles démons. Si vous êtes Slayer, comme Tanjiro, les piliers et j'en passe, votre objectif c'est de retrouver vos alliés, de trouver les démons ensuite et de les tuer. Si vous êtes démon, pareillement, votre objectif sera de retrouver vos alliés démons grâce au rôle central, Muzan, le chef des démons qui possède une liste contenant toutes les lunes supérieures. En gros, une liste de pseudos de la moitié des démons si vous préférez. Tout dépend alors de notre rôle. Différentes stratégies de jeu sont possibles et à nous de trouver la bonne. Par le passé, j'ai déjà été pas mal de fois des rôles importants, notamment dans cette vidéo-ci où je découvrais pour la première fois le rôle le plus important du jeu, celui sans qui les démons sont perdus. Cette première game remonte à il y a beaucoup de temps. Je découvrais encore le mode de jeu, c'était ma deuxième game à peine. Alors, et si on constatait l'évolution depuis le temps? Qu'est-ce qu'on va avoir comme rôle là? Mumu? Mumu ou quoi là? Mumu, Zenitsu? Mumu. Mumu mon gars. Et oui, ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Le retour du meilleur rôle du jeu, Muzan, qui a la mission la plus importante. Il possède la liste de la moitié des démons, et son premier objectif sera de les retrouver pour leur donner cette liste, eux ne possédant pour l'instant que mon pseudo. De plus, un bon départ dans la partie de notre côté, la liste est clairement de notre côté, contenant énormément de joueurs assez forts. Mais le problème, c'est qu'il y a un traître parmi ces joueurs, Nezuko. Il s'agit d'un rôle démon apparaissant dans la liste, mais étant en réalité un traître. Mon objectif sera donc de se méfier de Nezuko, et de ne surtout pas lui donner la liste, auquel cas tous les slayers finiraient par l'obtenir, et donc cette Nezuko sera forcément un bon joueur également, ça risque donc de donner une partie assez intéressante. Cependant, autre point important, je connais l'identité d'un safe de sûr, Dwarf Dower et le rôle Kokoshibo, rôle avec qui je suis entre guillemets lié puisqu'on dispose d'un chat commun, où on peut se faire passer des infos petit à petit tout le long de la partie. C'est un bon duo, il sait bien jouer, et je peux lui passer la liste en toute sécurité, puisqu'il devra m'aider dans ma tâche. Dernière chose à noter, dans la partie je devrais aussi mettre un boost de force sur l'un des joueurs de mon choix, et j'ai également la possibilité d'infecter un joueur. Je devrais alors rester très proche de ce joueur tout le long de la partie, et c'est là la principale difficulté de l'infection, surtout si tu te fais cramer assez vite. A voir donc si on pourra l'utiliser ou non du coup. Oh, ça fait plaisir d'être Mumu là-haut. En vrai, on essaierait pas un petit DS infection Gap là? En vrai, ça peut se faire ça en vrai là, je pense. Ça peut être sympa. Bah si Gap est au 0-0 très tôt, je vais infecter Gap hein, en vrai. Hein. Et je vais essayer de rester à côté de lui pendant longtemps quoi. Regardez-moi ces effets cheatés de nuit quoi. Oh, j'espère que Nartko n'est pas Nezuko et que Nartko est avec nous. Hein. Je vais pas vous mentir là. J'espère vraiment que c'est pas Nartko. J'espère vraiment que c'est pas Nartko. Je pense que je sors à 30 minutes et on va essayer. Bon, je pense que je vais sortir là les potes. Allez, on va aller voir s'il y a des gens ou pas là. Mais bon, je pense qu'il va y avoir des gens en vrai. En vrai, par contre, c'est une très bonne team en vrai. On a Dwarf avec qui on peut parler. Genre, ça choquera personne si je reste avec Dwarf par exemple, tu vois. Par contre, pourquoi il y a personne comme ça là? Je suis vraiment le premier au 0-0. Au pire, si je croise quelqu'un qui est pas démon au 0-0, je le tue direct, hein, mon gars, au pire. Bah salut du coup, enchanté. Yo, tu viens d'arriver? Ouais bah on est deux mec hein, y'avait littéralement personne au centre hein, je te le dis donc oui. T'as vu vraiment personne toi du coup au centre là? Non je viens d'arriver. Après y'a peut-être un Obanai hein, qui est là qui nous suit hein, en vrai. Ça, yo. Ça ou quoi? Attends, t'es le troisième au zéro, écoute. J'hésitais à l'attaquer, mais en fait je me dis peut-être que c'est un démon Xoril pour sortir tôt comme ça. Peut-être que c'est un démon, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je reste là? Qu'est-ce que je fais? Faut que je vois ce que je vais faire. En fait j'ai très peur que là il y a un rôle à info là-dedans et que je sois cramé dès le début, tu vois. Donc je vais essayer de faire gaffe quand même. Bon les gars, je sens bien notre groupe de 3 là. Je sens qu'on est tous ensemble, tous les 3. Moi je vous le dis. Ah, il y a quelqu'un là. Salut Dragiox. Ça va ou quoi mec? Yo, ça va ou quoi? Yo mec, y'a quoi les gars? Ouais, je crois qu'il y a des chiens là. Ouais, j'ai un bug avec mon rôle en vrai. Bah regarde bro, y'a un bug avec ça. Mais regarde bro. Y'a un bug là. Si ça va le rôle. Mais là, ça a bugué mon rôle. Mais je... il a bugué son rôle là, c'est bizarre un peu, non? Comment c'est que tu sois sorti aussi tôt toi? Normalement, tu mets franchement, je vais pas te mentir que à 20 minutes, j'avais déjà mon épée et toutes mes pièces. J'étais en mode avant les rôles. Et j'étais en mode en vrai. J'ai fait un minage, frère. Et voilà quoi. Ça va ou quoi les gens là? Et t'as dit de la merde. Ah, ça arrive enfin, parfait. Yo. Y'a que vous là? Ouais. Ça fait un bon quart d'heure qu'on est là à s'ennuyer, mais on fait avec, hein. Bon. Ah ouais. C'est bizarre qu'il y ait personne dès le début comme ça en vrai. J'ai vu Restop et Flaz, mais ils étaient. Ah ok. Ouais. Bah pourtant on est au zéro frérot là. Non mais j'étais bah à l'opposé. En gros ils étaient à l'opposé là-bas. Genre un symbole. Ah ils étaient là-bas? Avec c'est quoi? C'est direction quoi là? Vous avez des bourreaux Louis ici ou pas? Ouais j'ai un rôle de fou moi. Ah ouais oh. Vraiment? Bah en fait il a bugué mais j'ai un rôle de fou. Mais c'est bon, du coup je suis passé. What? Ah. What? C'est moi les gars. Ah bon?
Ah bon, x3. Moi, ça a été vite. Hein. Aïe aïe aïe. Le groupe de confiance, hein, le bloc de cobalt, on sera fait de. Oh, passe-toi. Bah, en vrai, tuez-moi si close 3. Non, mais on va te tuer en normal, quoi, mais bon. C'est un peu compliqué. J'arrive pas à savoir quand est-ce que tu... Vas-y, fais-toi plaisir. Oh non. Oh, c'est horrible. Oh merde, c'est mon kill. Oh non, c'est moi qui l'ai eu. Oh non. Oh, c'est pas grave, les gars, vous savez quoi? On voulait un peu. Ah oui, voilà, ouais. Parce qu'en fait, en gros, je suis sorti très vite pour voir si je pouvais infecter quelqu'un. Mais du coup, bah. Ah ouais, bah, on va tuer des rôles de fou. Hein. Venez juste deux secondes, on se casse un peu. Ah bah oui. Mais moi, je pense qu'on peut retourner au zéro. Venez pour l'instant. Viens pour l'instant. Ouais, on vous y retournera après, c'est pas grave. Si on peut choper le Kegaya, on peut être trop bien. Parce qu'il y a pas Banaimon, on s'en fout, tu vois. J'ai besoin de savoir si vous n'êtes pas ce que je pense. J'ai besoin que vous me prouviez votre confiance. Non, en tout cas, je pense pas. De quoi? C'est super. C'est pas très RP de faire ça quand même. Bah oui, mais je vais pas la donner à quelqu'un. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si t'es Nezuko, je vais pas te donner comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ça ruine la game, hein. En fait, j'aimerais bien avoir la liste, moi. Bah ouais, mais bon, si je peux pas avoir confiance en vous, j'attends. C'est qui ton pote? Comment ça, mon pote? C'est pas lui, mon pote. Lui fait partie de la liste, mais je savais qu'il était. Mais c'est pas lui. Le seul que je peux vous dire, si vous voulez, que je peux vous donner à la limite, ce coucou chez Beau, c'est Nanox. En effet, nous avons pris des kills assez rapidement. On s'est rejoint en groupe avec des démons. Mais bizarrement, je sais pas pourquoi, je la sens pas du tout cette histoire. Je sens la présence de Nezuko. Je sens qu'il y en a un ici qui essaie de m'entourlouper. Ou du moins, j'ai ce pressentiment, tu vois. Et comme je ne souhaite pas tout faire foirer dès le début, je préfère ne rien dire pour l'instant. Le problème, c'est que si la Nezuko est réellement parmi nous, je vais être forcément cramé. On va donc vite le savoir. Et Edouard, je peux te parler vite fait ou pas? De toute façon, moi, j'ai confiance en toi, en fait, parce que j'ai eu la preuve que t'es. Non, on peut pas dire que je rentre ta liste, moi, parce que moi. Mais frérot, qu'est-ce que j'en sais si t'es méchant ou si t'es avec moi ou pas, tu vois? Ça, le problème. Je pense qu'il y a un Nezuko dans l'un des deux. Ouais, je te le dis. C'est pour ça que j'ai dit de la merde. Je pense aussi, putain, il nous a pas su. C'est dommage. Je pense qu'il y a Narco ou genre. Vu que vous, Narco, voulait vite se barrer sans avoir la liste ou quoi que ce soit. Il est fort quand même, donc tu sais, il peut bien jouer. Ouais. Ça peut être lui quand même. Que Nems avec nous ou pas? Parce qu'il était juste à côté en fait. C'est un boule de gomme. Tu nous as entendu? Aucune idée, mais en tout cas, il était vraiment. Il vient juste de faire un pilier juste à côté là. Du coup, bah, tu peux le sauter. Ok. Pas peur d'un jeu avec ça. Hein. Va avec lui. Va avec lui. Va avec lui et tu te fais passer pour ce que tu veux. Va avec lui. On se retrouve après. C'est pas grave, on va attendre pour l'instant. De toute façon, parce qu'on s'en fout. Pire, je suis cramé, c'est pas grave. Ils vont savoir qu'il faut tuer absolument le Kagaya très vite. Et si y a Nezuko là dans le tas, au moins ça fait bouger la game très vite, quoi, on va dire. C'est pour ça je voulais attaquer, mais en fait, les 4 ont suivi, mais j'étais pas sûr, tu vois. Donc je préférais faire gaffe. Par contre, du coup, voilà, on s'est remis très bien. Dommage qu'ils ont cramé le stuff. Moi, je pense que Drajok c'est Nezuko. Je sais pas pourquoi, j'ai un petit pressentiment que Drajok c'est Nezuko. Et même il m'a demandé Sinems, il a cramé le stuff tout à l'heure sans me laisser quoi que ce soit. Franchement, j'ai vraiment peur que. Pour ça que j'ai dit Nanox, c'est parce que vraiment, il voulait savoir c'est qui mon pote. Alors que je lui dis que je voulais pas donner. Moi, je pense que Drajok c'est Nezuko. Je le sens venir à 10 km, je sais pas pourquoi, c'est pour ça que j'ai dit ça. Et vu que Dwarf est cramé aussi, enfin, il est pas cramé parce que Kage a fait après. De toute façon, tous les démons l'ont reçu, donc ils savent très bien les démons. On va beaucoup jouer sur ça. Je vais le laisser agir pour l'instant. Je reviendrai après. Mais bon, pour l'instant, au moins Dwarf il reste au centre. En vrai, je suis content quand même parce que au moins on a éliminé deux rôles assez badass. Bon, du coup, l'infection, on va peut-être oublier, hein, je pense, les gars. Hein, du coup, hein. Est-ce que je mets le boost à Dwarf ou est-ce que je le mets En fait, j'aimerais bien savoir. En fait, j'aurais bien aimé le mettre à Narco, mais j'aurais bien aimé savoir son rôle en fait. Là, je vais rester un peu loin pour l'instant et on va voir après. Tiens, je vais me planquer sous le 0-0 au pire et je vais écouter. Parce que là, je vais arriver au centre. Ils vont dire Guile est méchant, mais est-ce que... En fait, c'est ça le truc. C'est que s'il y a Nezuko dans les deux, ils vont dire Guile et Muzan et ils vont me cramer dès le début, tu vois. Wesh, Dalil. Train de fumer Dwarf. Il est en train de tuer le mec là. Ah d'accord, hein. Je savais qu'il allait l'attaquer mais bon. Il est parti par où? Là-bas. Gauche. Qui est parti par quoi? Par où? Par là. Salut Guile. Ça va quoi? Bonjour. Je sais pas, je vous écoute, j'ai pas confiance en vous en fait, genre. Il y a Dalil qui vient d'attaquer. Non, je veux pas vous parler à vous. Tu vas vraiment courir là? Ouais, j'ai vraiment pas du tout confiance en vous en fait. Mais genre pas du tout. Ah, ça me ici, hein. Situation critique. Mon allié principal, Dwarf Dower, la seule personne en qui je peux réellement avoir confiance, est totalement cramée. Les infos ont déjà circulé, donc je pense l'être également. On va pas prendre de risques. Si les démons nous perdent moi et Dwarf, alors la game est d'office terminée. Je vais donc m'éloigner un peu et profiter du chat commun pour lui donner des coordonnées pour se retrouver. Là-bas, on pourra tout mettre au clair et remettre une stratégie en place. Bon, au moins ça fait une game intéressante au moins. L'avantage. On va attendre là. Il est parti. Mais c'est parce que. Mais c'est très simple pourquoi il connaît nos rôles, mec. Mais bien sûr. Mais c'est parce que c'est Drajok, tout simplement en fait. Mais c'est Drajok, frérot, en fait. Ouais, bon, c'est mort. Viens, mec. Les gars. Buté Dalil. Je joue à buté Dalil. Ça t'intéresse en ce game. Dalil Yorichi, ça va poser des petits problèmes, hein, mais bon. C'est sûr que c'est ça. Ah, oh, c'est Narco. Mais non, jure. Ça pouvait pas être pire. C'est un peu chaud, les gars, mais j'aime bien ce genre de game où c'est l'enfer un peu comme ça, là. J'aime bien. Ça change un petit peu, là. Il était mignon. Non, c'est pas moi. Salut, beau gosse. Bon, j'en ai rien. Du coup, c'est Narco.
Non, mais okay. T'es sûr de ça ou pas? Oui, il traînait avec Rastam Peto, il parlait qu'il avait le Kegaya. Ah oui, ouais, du coup, ouais. Ouais. Bon, je peux te donner, viens, je peux te donner en vrai. Parce que Naruto et Nezuko, il a Burst de Blaze aussi. Du coup, ouais, ne pas mettre le boost à Naruto, du coup. Hein. Rastam, pas sûrement un rôle en fou. Narco, du coup, Nezuko, ouais. Thomas, Amin. Oh, attends. Je vais éviter de tout donner parce que je vais te donner en deux parties. Parce que si jamais je me fais listen à ce moment-là. Alors, on va pas savoir si je me fais listen, on voit pas dans le tab. Non. Bah, justement, dans le tab, le mec part. Ouais, du coup, ouais, mais ça peut être D ou K. Ils sont tous là. Y'a personne qui est parti du tab. Okay. Donc, s'ils sont tous partis du tab, c'est bon, non? Je te dis, c'est un mec sérieux. Ok. Lightshoft, Sofin, Dragioc. Oh, la team de bâtards. Rodakin, Néolithique. Ouais, bâtard, si Narco, Nezuko. Bah, y'avait Narco, Nezuko, donc ça fait chier parce qu'en face, y'a quand même. C'est ça. Il reste un point. Et oui, c'est relou en fait, c'est ça qui est relou. Donc, va falloir cage, va falloir trouver qui met quoi. Oui. Toi t'es quoi toi? Moi je suis Doma. C'est pour ça que Narco voulait pas me disait ah, c'est pas trop RP de te montrer au Musan qui on est. Mais bien sûr mon gars j'allais pas donner la liste, il est fou quoi genre. T'es bien joué, t'es c'est, bien c'est pour ça con. Que Restamp est sûrement un rôle en faux et il pense que je suis safe du coup. Ah ok, t'es passé à travers toi putain. Bah sympa. Oui. J'ai dit exprès que c'était Nanox pour que justement Narco dise de la merde mais je pense qu'il a pas entendu parce que j'ai donné à. En fait le problème c'est que Dragioc du coup il va dire à Narco putain il faut absolument retrouver parce que Dragioc je sais pas comment il est pas mort. Bah il va aller dire à Nanox du coup. Ouais bah du coup salut Kokushibo, il va se faire tuer en fait. Il va mourir. Non, mais c'est tout que Narco était avec nous, donc c'est très vrai que Dragioc c'est méchant. Si vous trouvez des démons les gars, si vous arrivez à trouver des démons notamment Nakime, vous les ramenez ici genre. En fait oui, au village. Santa, t'es pas cramé toi. Au pire reste avec moi et Santa il va toi au pire hein, et tu les amènes là. Vas-y hein. Oui. OK bah tu dis rien, tu dis que tu cherches des infos etc. Et dès que on fera une chaîne, on les trouvera et puis on les ramènera. Après il y a pas mal de démons au zéro. Si j'étais dans le groupe, je pourrais pas les prendre mais ouais. Est-ce que tu veux qu'on aille faire un tour là à 15 minutes en vrai s'il y a des démons, on peut y aller. Au moins on peut un peu se rapprocher je pense. Déjà on va sous les arbres deux secondes. On peut creuser en plus. Là-bas, y'a Borgil. Ça casse les couilles, ça, un peu, la bison. L'infiltration a duré 20 blocs, frérot. Putain. Viens, on va à droite. À chaque fois, je me fais baiser par un squelette, c'est abusé. Non, c'est juste. Qu'est-ce qu'ils foutent là, on a 3 symboles du 0. Mais de ouf, hein, pourquoi ils sont là, gros. En vrai, ils analysent, frérot. Ouais, t'inquiète, mon gars, c'est rapide. Allez. C'est rapide à dire, frérot. Allez, venez, on s'en va, j'ai des choses à vous dire, moi. Oui, bah oui. Mais nous, on voulait attaquer, on a 2 perles, on voulait attaquer maintenant. Dragioc, Daki Gultaro, puisqu'il a disparu du tab. Vas-y, attends. Y'a Polo et Rodakin. Salut. Oh non mais vous êtes... Oh la safitude. Si jamais du coup moi vous m'avez pas mais c'est Rodak voilà. Bon je vais vous donner la liste hein, du coup. Enfin Dragioc parce que c'est Narco du coup Nezuko. Alors je vous donne, notez bien, vous êtes prêts ou pas à noter? Il note sur un panneau. Ouais là je note tout là. Tout, il va laisser le panneau ici. Non mais attends parce que j'attends qu'il finisse d'écrire pour rajouter. Alors ça faut rajouter, ok. Attends, oh vraiment tout ça. Ah oui. Ah même ça aussi. What? Moi je peux vous donner ce que j'ai aussi donc voilà. Narco Nezuko. Thomas, Amin, il est là. Lightshoft, il est là. Santaz, il est là. Sofin, Dragioc, il est pas dedans, mais du coup, il est, parce qu'il est Daki Gutaro. Rodakin, Néolithique, Nems, Polo, Nalox, Gagab, du coup. Avec ce que t'as. Les gars, faut qu'on fasse un groupe des mecs cramés, parce que vraiment là. J'ai envie de me battre. Bah, Rodakin, faut que tu restes avec nous. Rodakin, faut que tu restes impérativement avec nous. Ça, on est là, on est en train de faire quoi? Faut juste qu'on reste avec nous. Ok, ça marche. Déjà, je vous le dis, parce qu'il y a personne dans le table qui nous écoute ou quoi, y'a pas Obanai ou quoi. Le point de rendez-vous, c'est 250-550. Ce qu'il faut absolument, c'est que Rodakin, quand on fight, passe devant. C'est hyper important parce qu'il doit être absolument. Il faut que nous soyons très proches de lui, mais il faut qu'il soit lui devant. Et si on voit le groupe de Narco. On fonce dessus, ouais, d'accord. Et vous laissez pitié le killer. Oui, et vous ne le tuez pas, s'il vous plaît. Si sinon, on a perdu. Hein. Dites comme ça, il peut lui perdre un coup dessus. Parce que, oui, voilà, parce que là, en fait, le truc, c'est que si on tue pas Narco, on a perdu. Parce que vu les gens qui sont en face. Les gars, dites-moi ça. Bon, attends, vas-y, marquez-vous un peu. Bah, reculez, alors, reculez, bah, si les gars, ouais, bah, reculez. Ouais, j'ai entendu. Oui, y'a Nems, Gagab, Nalox, Yuji. Les kills, non, y'a pas kills. Oula, ils sont juste là. Ouh, y'a combien là, ouais. Oula, les gars, revenez s'il vous plaît. Je me suis fait Tengen, revenez s'il vous plaît. Ouais, pareil. Ouais, tout le monde. Bah, venez alors, préparez-vous alors. Je suis là. C'est bon, bah, vas-y, go. Qu'est-ce que ça va bien, mais ouais, encore très bien. C'est bon? Il attend plus. Ouais. Il se tue. Mort. Bien joué. GG. Bien joué. On a eu bon rôle. Ouais. Non. Ça va quoi, mec? Okay, on a chopé notre mec. Est-ce que je peux avoir enfin les rôles? Parce que ça fait une heure que je les bait sur vous. Vas-y. On est quand même trop, les gars. Faut avoir on est trop, ouais. Attends, on refait notre groupe. Vous voulez pas courir au milieu là? Si, ouais. Bah, Nem, c'est caca avec moi. Oh merde. Bah nous on y va, vas-y hein. Il est où Rodak là? Vas-y viens Rodak. Donc ouais. Pourquoi un groupe de 4? Rodak 1 devant. Ah non c'est... Non mais c'est devant, il était pas tout en seul. Fait, les gars, on a fumé le tank. Non c'est Rodak 1 devant les gars, Rodak 1 devant. Les gars Là-bas. On court hein. Ah go hein. Rodak. Y'en a un qui sait ce qu'il a à faire hein. Les gars venez les gars. Je fais ça. Vas-y maintenant. Allez. Ah y'a Dwarf ici. Ok.
Non, putain. Ah. Enfin, pourquoi vous avez voulu TP alors qu'il y avait 800 personnes là à côté, je comprends pas, genre. Non mais au contraire, c'était le meilleur move, hein. Parce que vraiment t'avais tout le groupe et juste on a pris la moitié, je crois. Les ornettes, s'il vous plaît. C'est de la merde. Oh putain. Oh, ils sont tous là, mec. Ouais, mais si je vais mourir. Mais bro. Non, y'a personne là-bas. Nice. Il est mort, il est mort. Il a Wildfire, je crois. Ah ouais. C'est tombé. Ah mais ça pue là. Oh le lag. Mais c'est de la merde. Ça rentre trop nul la terre, faut voir quelque chose. Ouais, tiens. Putain, le dwarf est mort par contre, ça fait chier. Ouais, le dwarf est mort. Bah c'était lui qui avait le boost hein, d'ailleurs. Il s'est fait coincer dans un coin direct. Ah, c'est pour ça que Dalil il voulait autant. Les gars, c'était la meilleure cache possible, hein, vraiment, Guillaume. Ouais, ouais. C'était vraiment. Regarde, on les trouve trop bien, peut-être. Ouais, 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 non, on est bien là, c'est sûr là. C'est qui? Il y avait un démon avec eux, je sais pas qui c'était. Ah, ça devait être Sofin. Ah oui, Sofin était avec eux. Je crois que c'est ça. Et du coup, Sofin nous a rejoint dans la cage là. Sympa! Sympa, ok, 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 sympa. Le mec, je les soigne juste ici. Il est freeze de fou, de toute façon, on attend la nuit, on va au zéro et on retente un groupe, hein. De voilà quoi. Bon, bref. Ah, bah, ils font des kills encore. Ok. Ah. Ok, ok. Bah, go, dirige les zéro. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Devant. Ouais, bon, vas-y, attends, on reste devant, c'est bon. Ah, bah attends, non, mais attends, mais faut attendre Nakime quoi. On les a perdus. Mais comment ça, on les a perdus? Mais c'est pas possible. Oh non. Nakime. Mais pourquoi quand il se faisait chase, il a pas utilisé sa cage? Mais pourquoi il a pas utilisé la rue? Alors bah ouais, mais. Ah, bon, bah là, de suite, ça change la game. Ah, sans la cage, ça va être une autre histoire maintenant. Ouais, ça va être un peu plus chiant. Et la sauce, mon pote. Bon, peut-être perdre la game en fait, hein, je viens de capter là, mais. Salut. Salut. En vrai, vous avez gagné. Bah ouais. Clairement pas. Bah ouais, ça va être plus serré que ce que je pensais, hein, parce qu'en vrai. Sympa le fight là, hein. T'en penses quoi, mec? Ouais, bah ouais, c'est bien, hein. Ouais. C'est artifice, les gars? Ah bah. Salut, les gars! Ah, mais c'est. Ah, c'est le jour. Ah, mais j'avais pas vu les pseudos en fait. Ouais, bon, sort bas les steaks, mon gars. C'est. Oh, je suis coupé, ouais. Ah, ouais, putain, casse, il est méchant. Ouais, les gars, putain, merde. Bah, attends, on a. Ouais. Ça fait 10 minutes qu'on a tué, hein. On a pas envie de skill. Ah, pardon. Mais par contre, c'est censé être groupe de 4, on fait comment là, du coup? Nous, c'était notre 3, hein. Bah, dans ces cas-là, je vous laisse, mais je pars tout seul. J'ai pas non plus envie que tu pars tout seul. Enfin. Il y a un truc que je joue comme une merde. Après, je sais pas, mais là ils sont tous partis sur un mec et ils nous ont laissé à deux, du coup, donc c'est très bien joué. Sofin doit être Kaigaku, du coup. Et c'est quoi Kaigaku? C'est un solo? Bah, en fait, avec Jigoro, il peut avoir un pacte et ils doivent gagner à deux. Oh merde. En vrai, on a pas mal, hein. Ouais, mais le problème, c'est qu'on est deux là. Donc, clairement. Ouais. Là, faudrait qu'on retrouve Thomas. Par contre, il y a le groupe de l'arco juste là, hein. Bah, ouais, mais vous nous avez laissé à deux, donc on peut pas. Bah, avec nous. Ah, bah voilà, bah alors. Ah, bah voilà. Ah, c'est groupe de 3, bah du coup, bah on reste à deux, du coup. C'est winnable, juste le problème, c'est que là, on est un peu dans la merde, ouais. Enfin, surtout qu'en fait, là, on est deux, ouais. Faudrait qu'on trouve quelqu'un. Il reste Nezuko, faut impérativement que tu tues. Tu tues, on a gagné en fait, on est trop bien. Oui, c'est ça, t'es intuable. Ah, et voilà. Et tant mieux. Ouais, mais c'est pas un démon. Case, verra, c'est pas un démon qui l'a tué, hein. Non, Jigoro. Ouais. À droite, il y avait des gens, je crois, avec lui. Ouais, mais on peut pas y aller là, bro. Sofin a tué quelqu'un. Bien joué, bah Sofin faut tuer. Et là, quelque chose de très important est à noter. Sofin vient de faire un kill sur un démon alors qu'il l'est lui aussi. Et ce n'est pas Nezuko pourtant, puisque Narco l'était. Ce qui ne signifie qu'une seule chose. Sofin est Kaigaku. Et il a en réalité plusieurs possibilités de victoire. Normalement, il est censé gagner avec les démons de base. Mais il y a également une petite subtilité. Et cela concerne Jigoro, un role slayer qui aura la possibilité de changer de camp avec qui il doit gagner. Et Jigoro a la possibilité de choisir un camp où il devra gagner seul avec Kaigaku. S'il choisit cette possibilité, Kaigaku devra lui trahir les démons et gagner juste avec Jigoro. Et c'est ce que le Jigoro de cette partie a choisi. Cela fait donc un petit moment qu'en réalité Kaigaku n'est plus avec nous. Il restait avec le Jigoro. En sachant que s'il reste côte à côte pendant 7 minutes sans quitter un rayon de 30 blocs, ils gagneront un demi-cœur permanent à chaque fois. Toutes les 7 minutes donc. Ce qui signifie donc que les deux ont certainement pas mal de vie en plus. Et Sofin est donc également un traître. Ah bah là par contre là c'est plus dans la sauce déjà. Un petit peu plus déjà. Faut qu'on retrouve Amin ou Thomas. On retrouve que Thomas et sinon c'est tout, hein. C'est ça groupe qui ah, très clairement ça va être compliqué là, je veux pas te mentir, hein. Pas penser à ça, ouais, j'avoue. Ok, ça c'est sympa, ça. Tant mieux, vas-y, sauf un. Go à gauche, on va traverser. Tant mieux, ça fait ça. Là par là où tu vas, j'ai entendu une voix. On y va. Non. Râle de mon arco là. C'est Kir, je peux en faire. Oh, j'ai Back. C'est bon, toi, j'ai eu encore. Ok.
J'ai encore. T'as putain, ça casse les couilles. Viens, viens. Je suis pas encore fou. Je te dis quand c'est bon. Vas-y, en vrai, c'est bon. Vas-y, ok, attends. Voilà. Tranquille, je tente. Tranquille, vas-y, mon gars, c'est bon. Hein. Ça lag, mais vas-y, y'a pas de problème. Bon, t'es habitué à force. Faut focus Polo, hein. Il a quickness. Hello, my friend. Merci, merci, mon gars, merci, vas-y, viens. Oh non, putain. Allez, à 15, mon gars. Vas-y, vas-y, on le fume. Oh, allez. De rien. Oh, c'est la clim. Merci, là. Mon gars. Oh, j'ai plus d'eau. Ah, ça c'est pas bon. Oh non, non, j'ai récupéré un saut d'arrêt. GG, putain, je suis pas comme ah bon GG. Ah, mais il restait que. Et finalement, nous remportons une nouvelle fois cette partie. Deux fois Muzan, deux victoires, tout est parfait. On a réussi à revenir dans la game alors qu'on était cramé assez vite. Et honnêtement, de base, je nous voyais vraiment pas faire long feu. Et je pense que c'est la même pour pas mal d'entre vous. Mais voilà, 4 kills, très propre quand même comme partie. J'espère que cette game vous aura plu. Je trouvais ça cool de vous comparer ma première partie en Muzan avec celle-ci. Il y a quand même eu un petit peu d'évolution, disons. Mais le gameplay et le principe du rôle restent le même en réalité. La différence principale de cette game, c'est qu'ici, je n'ai pas tué Nezuko. Je n'ai donc pas gagné tous les effets cheatés. Et surtout, bah la Nezuko a essayé de m'entourlouper un petit peu dès le début quoi. J'ai trouvé ça un petit peu moins facile que la première game quoi. Mais on est quand même parvenu à la victoire, c'est le plus important. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça ferait plaisir et c'est gratuit, donc tu peux cliquer sur ce petit bouton rouge pour m'aider à atteindre les 300 000 abonnés. Voilà, ça régale. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures.